Hop, on va mettre un petit peu de lumière quand même. Hop, c'est bon. Allez, c'est baboun. Donc, je vais... Attends. Je vais attaquer le train arrière. Alors, pour cette voiture-là, c'est un Mungen MB6. MBX6. Il y a un X dedans. Ouais, il doit y avoir un truc comme ça. Du coup, ce que j'ai fait, parce que bon, j'ai regardé un petit peu les prix des pièces. Je voulais me faire un petit stock de pièces pour pas être embêté suite à la casse du Bulken. Et j'avais dit que je voulais m'en acheter un supplémentaire pour l'arrière, bon, 20 balles. J'ai vu que les suspensions, ça vaut 80 balles. Les tiges de suspension, ça vaut 40 balles. C'est un peu excessif, je trouve, comme prix. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai trouvé un sur le bon coin. Je pense que je vais faire... Là, je suis en discussion avec le gars, il m'a fait un prix assez sympa. Il le vendait avec un prix à débattre. Et donc il est en thermique, hein, c'est pas le... Alors, MBX6 Eco, c'est le modèle. Eco, c'est pour électrique. Et t'as le MB6, alors il y a le B, je sais pas trop ce que c'est. Et sinon, bah, le MBX6 thermique, quoi, en fait. Donc du coup, je vais lui prendre. Et ce que je vais faire, en fait, bah, là, ça me servira comme pièce détachée. Parce que, juste, j'ai regardé si je prends juste... Allez, on va dire, allez, suspension, triangle, et puis il y avait un troisième truc, je sais plus. Ah oui, la cale de train arrière, enfin, pas la cale, le buckle d'arrière. Bah, t'arrives tout de suite à 200 €, quoi. Donc, voilà, t'en achètes un d'occasion. Et puis voilà, quoi. Après, t'as toutes tes pièces, et puis ça va le faire. Donc, des fois, hein, faut pas chercher trop loin. J'ai toujours pas pris la visseuse. Il fait beau, hein, j'ai la crève, mais pourtant il fait super beau. Ah, j'ai pas mis mon truc pour le doigt. C'est peut-être une erreur. Peut-être aller le mettre parce que. Après, en fait, c'est juste une tendinite, hein, que j'ai sur le pouce. C'est que dalle. Et le seul moyen de soigner cette saloperie là. Bah, c'est de pas se servir du pouce. Allez, tiens. Comme ça pour l'arrière. Ça, faut le mettre au repos. Tu mets ça pendant un mois, tu mets ça, et puis. Puis après, ça va mieux. Pas besoin de prendre de médicaments ou de saloperie comme ça. Que je suis. Hop! On peut éviter les médocs. Hein. Mais toi, je fais le couillon. Hein. Je devrais pas faire ça. Eh ouais, on se refait pas, qu'est-ce que tu veux. Puis après, j'ai regretté. J'ai dit, ah merde, j'aurais pas dû le faire. Hop. Ah oui, elle est pas mal cette petite plaque là. Non, j'ai regardé ça aussi. C'était Asil qui m'avait dit. En fait, ils font ça chez Obao. Asil RC. On a fait notre petite sortie, il m'a dit qu'ils font ça chez Obaro. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Franchement c'est bien, c'est tout fin. Donc du coup c'est tu prends pas de poids. Et toi c'est taillé pour la. C'est fraisé pour le châssis. C'est vrai que c'est pas mal. Mais bon j'en ai trouvé chez d'où il sort les Caillot. Il vient de. Où est-ce qu'on était? C'est pas Montigny, où est-ce qu'on était? Ah, je me rappelle plus. Bon, faudrait que j'aille le ramener quand je me rappellerai du patelin où est-ce qu'on a été tourné. Voilà. À côté du PEC. Donc eh ben, je vais faire comme. Hop. Il y a deux écrous là. Ah oh, un écrou, un compte-écrou, les contre-écrou en il-stop. Ou attention, je ne sais pas si c'est d'origine ou si c'est l'ancien proprio qui avait fait ça. Mais ça risquait pas de se barrer. Hein. Écrou contre-écrou.
Bon, écoute. J'ai. Hop là. J'ai assez blablaté. Je vous ai dit bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Voyons, c'était de la bonne graisse hein, qu'il avait mis quand même. T'as vu comment c'est cracra? Je sais pas les huiles qu'il avait mis dans le. Le voyage est assez souple. Mais je vais le laisser souple. Oh, regarde tous les cailloux que j'ai pris. Et attends, mais ça sort d'où tout ça? Regarde ça. Et rien, elle n'a pas bronché. Hein. La machine, elle va bien. Ah, il y a des machines comme ça où qui respirent la solidité quand même. Bon, écoute. Je vais mettre. J'ai beaucoup de nettoyage à faire là par contre. De toute façon, c'est que du nettoyage et changer l'huile du diff. Et encore quoi que, elle est suffisamment souple. Oh non, 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 je vais la changer. Quand j'ai vu l'huile de diff avant, elle était bien bien bouffée. Qu'est-ce que j'avais mis? J'ai mis ça. J'ai plus de 70. Mes souhaits. Donc ce que j'ai fait sur le diff avant, j'ai mis de la 100 et de la 30. Pour histoire de mélanger. Ce que je voudrais faire en fait, je vais mettre de la 100 au centre et de la 100 avant-arrière. Donc à l'avant de la 70 et de la 30 à l'arrière. Hop. Bon allez. À mes amours. Et avant que ça parte sur autre chose, on y va en musique.
dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. Ça y est, c'est reparti. Bon, il y a eu un petit couac avec la GoPro. C'est de la super technologie GoPro. Tu mets une batterie neuve à 99% et puis 5 minutes après, elle te dit qu'elle est vide. Enfin, bref. Donc, vous n'avez pas loupé grand-chose de toute façon. Hein. Je suis dans le nettoyage. J'ai fait, comme le diff à l'avant, nettoyage. Vérification des dents des satellites. Tout va bien en fait, hein. Il n'y a aucune usure. Huilage des. J'ai huilé le roulement qui était là. Je sais même pas quand elle s'est arrêtée la caméra. Alors, un petit truc, c'est que les roulements, j'aime bien les huiler. Enfin, les roulements. Pas tous les roulements. Hein. Hop, ça c'est de l'huile silicone assez épaisse. J'aime bien huiler les roulements en fait parce que de toute façon là c'est fermé, il y a de la graisse partout. Donc ça sert à rien de mettre de la graisse. Hein. Moi je préfère les huiler. Et comme ça bon ça roule. Ça tourne un petit peu plus vite. Hein. Et c'est largement suffisant pour un roulement qui est entouré de graisse avant-arrière. Par contre, ouais, sur les roulements de roues, sur les extrémités de la voiture, je mets de la graisse. Bon, c'est une petite habitude comme ça, hein. Chacun ses petits trucs. Hop là, et voilà. Et tous les roulements que j'ai démontés, j'en ai pas changé un seul. C'est vraiment de la bonne cam. Là, c'est là que tu vois que c'est de la bonne cam. Hop, et voilà. Et t'as vu, ces roulements-là, contrairement à l'avant, en fait, t'as un côté étanche et un côté qui est non étanche. Un côté qui est en ZZ, je crois que c'est ZZ, et un côté étanche, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et c'est monté comme ça, en fait. Donc c'est vrai que toutes les saloperies, elles arrivent ici. Plus de la graisse autour, donc ça risque pas grand chose. Et ce sont des roulements de très bonne qualité. Et je l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais t'as vu, t'as toujours une gorge là. Moi, je mets ma petite graisse. Hop, je mets toujours un petit peu de graisse là. Et comme ça, ça va. La graisse, ça va dans le petit. Intertiste qui est prévu pour d'ailleurs. Hop. Et comme ça, t'es tranquille. Hop là. Et là, on est bon. Allez, je vais remettre les axes. Si tu veux bien. Rondelle de Scheim au fond là. Hop là. C'est vrai que t'as pas grand chose à faire là-dessus. Bon, il y avait tu changes la graisse et les huiles. Et l'huile, il n'y avait plus grand chose non plus. Bon, il y en a plein de chiffons aussi. Hein. Oui, j'exagère un petit peu, il n'y avait pas que ça. Mais elle est bien noire. Hein. Elle a bien été utilisée. Et nos problèmes, c'est de la bonne huile, des bons plastiques, des bons roulements, et ben t'as pas de problème avec ta voiture. Ils sont, c'est pas des gros diffs, hein.
tu les prends comme ça en main, c'est pas des gros diffs. Hein. Par contre, c'est un plastique. Pff, c'est un plastique de l'amour. C'est bien. C'est très bien comme véhicule. Allez, on continue en musique. C'est parti. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torturous, tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know. I love you so. 'Cause I don't even care about the time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, the part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll sorry, but I gotta go. If you love me, let me give this song another go. And I just keep on thinking how you make me feel better, and all the crazy little things that we did together. In the end, it doesn't matter if tonight is gonna be the loneliest. Part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the obsession. Voilà, terminé le diff arrière propre, graissé, huilé, enfin les roulements du moins, de lui sur le roulement, comme je vous disais tout à l'heure. De la graisse, pas trop sur le diff, mais suffisamment. En huile, j'ai mis la 30 000 à l'arrière. Donc il y avait de l'huile. Elle était
elle a fait son temps, on va dire. Là, on est bien. On est propre. On est suffisamment... pas trop dur, toi. On est moins dur qu'à l'avant, forcément. J'ai mis avec le mélange que j'ai fait, j'ai mis de la 70 à l'avant. La 30 à l'arrière. Comme je le disais... si j'ai pas à foirer les explications de la vidéo, je vais mettre de la 100 au centre. On est bien, on est bien. Tu vois que c'est costaud, je reste du châssis à l'arrière, comme j'avais fait à l'avant. Et puis, si je me suis pas trompé, ouais, je suis dans le bon sens. La couronne, elle est là. L'incrustation dans le châssis, bon, enfin vous ne voyez pas, mais bon. En fait, t'as un petit... Hop. Ah zut, voilà. T'as, en fait, t'as une petite incrustation là dans le châssis, pour te dire, dans ton diff, eh ben, il va dans ce sens-là. Ok. Juste pour faire passer la couronne. Hop, donc... Si j'ai pas merdé, ça va bien se passer. Ok. Allez, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous laisse. Et puis, je ferai la troisième partie, le diff central. Je pense que ça va aller très vite, le diff central. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et j'ai déjà... Ah oui, je regardais tout à l'heure la pine du cardan. Là. Je sais pas si c'est... Je l'ai déjà changé. En fait, j'ai acheté les petites pines. Là. Je les ai achetées. Exprès pour cette voiture là, et celle-ci est toute neuve, elle n'est pas usée. Bon, elle est un petit peu usée d'un côté, mais je me demande si c'est pas celle-ci que j'ai déjà changé. Et j'ai regardé pareil, j'ai démonté, j'ai regardé celle-ci. Et ben, vous avez vu, hein, j'ai chauffé un petit peu et elle n'est pas usée. Donc je me demande si c'est pas ce, je l'avais pas acheté pour ce cardan arrière et que j'ai déjà changé. Donc du coup, bah, c'est pas usé. Pas besoin de rechanger. Ok. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, on se revoit pour la suite. Allez, tchuss.